Oui, il est arrivé avec ses tigres, ses lions, ses clowns. C'est un peu difficile pour respirer. C'est l'heure du repas pour mes gros chats dorés. Ça c'est petit numéro, les chinois c'est trop petit. Ça c'est le problème, parce que chinois c'est petit, costume c'est ça va, et les chinois c'est petit. Voilà. Ça va bien se passer, on a encore 2 jours de répétition, tout va bien. Dans les rues de Paris, en cette fin d'automne, un convoi exceptionnel s'avance. Voici toute la troupe du cirque Pinder qui arrive d'Orléans pour prendre ses quartiers d'hiver sur la pelouse de Reuilly. Quelques passants saluent l'arrivée des artistes. En tête du cortège, un camion rouge rutilant. C'est le plus gros et le plus beau. Normal, c'est celui de Frédéric Edelstein, fils du propriétaire et directeur du cirque. Dans les véhicules qui suivent, 150 personnes et plus d'une centaine d'animaux. Frédéric est le premier à se garer, il est le directeur, mais aussi le dompteur des fauves. Pourtant, celui qui est installé dans son camion n'a pas l'air bien féroce. On est arrivé à Paris, t'as vu? Ça va te plaire, il y a de l'herbe partout, en plus il y a des bois. Ça va être super, hein? On est à Paris, ma fille. Ah, ça c'est ma toutoune. C'est ma fidèle partenaire depuis 12 ans. Ma petite perle avec Sophie. Et puis voilà, on arrive, on est parisiens. Amour, c'est beau. Amour peut-être, mais à peine arrivé, Frédéric se met au travail, laissant derrière lui sa femme et son chien. Il va placer les 33 semi-remorques autour du chapiteau. Mais le premier camion qu'il guide, c'est celui de ses gros matous. Les tigres, les lions, les animaux, hein, toute la ménagerie, les chameaux, les éléphants, sont les premiers convois que je place afin qu'on puisse tout de suite monter les parcs extérieurs, les cages extérieures. Et que les bêtes, une fois qu'on arrive sur une place, puissent tout de suite se détendre, sortir dans des grands parcs qui sont aménagés pour. Alors après, là, il suffit que moi, par contre, que je place les choses vraiment correctement dès le départ. Parce que comme Paris, c'est la ville où on reste le plus longtemps, c'est important pour toutes les bêtes que ce soit fait le mieux possible. Des 180 villes traversées par le cirque tout au long de l'année, Paris est l'étape la plus longue, avec un mois et demi de représentation. Frédéric, c'est le chef d'orchestre qui dirige ses 130 véhicules avec brio. Hop, le directeur d'un cirque, il touche à tout et il connaît tout. C'est hyper important, hein. Super important. D'avoir justement une casquette comme ça qui me permette à la fois de conduire les camions et à la fois de les placer, à la fois d'être à la caisse, à la fois de faire la publicité, à la fois d'être sur la piste. Un patron de cirque, en vrai, c'est ça, hein. C'est pas uniquement rester assis dans son bureau et à regarder les choses se faire. D'avoir les pieds, entre guillemets, dans la boue. Et c'est maintenant au tour de la cinquantaine d'artistes d'établir leur campement. Pour coordonner l'installation de tout ce beau monde, Claude, le directeur technique, prête main forte. Chacun a sa place attribuée, mais parfois, il y a de petits cafouillages. Tu les montres où, l'étoile des Cosaques, là? Là, derrière. On t'aurait dû me le dire avant, parce que regarde, j'ai déjà mis. Il m'a dit que tu l'avais dit. Non, il m'a rien dit du tout. Bah, recule. Ok, faut reculer. Tout le monde recule de 5 mètres. 5 mètres en arrière. Ah, y a une troupe de Cosaques qui arrive donc avec des chevaux et qui ont des écuries en plus à monter. Donc moi, je ne le savais pas. Donc si on ne me le dit pas, je ne peux pas le deviner. Et résultat, il faut laisser de la place pour monter les écuries des Cosaques. Des Cosaques, mais aussi des Chinois, des Cubains, des Équatoriens, des Moldaves. Plus de 10 nationalités différentes cohabitent ici. Et quand on vit en communauté, il y a une règle d'or à respecter. Mélange pas les garçons et les filles pour éviter les problèmes. Donc il y a un semi pour les Cubains, un semi pour les Cubaines, il y a un semi pour les Chinois, un semi pour les Chinoises. Il y a des douches pour les Cubains, des douches pour les Cubaines. Enfin, c'est un petit village, hein, qui se déplace comme ça au quotidien tous les jours. Avec tous les aléas que peut rencontrer une petite ville, ben, nous, on le rencontre en étant itinérant en plus. Chez Pinder, tout est prévu pour vivre en autarcie. Les ordures, les toilettes, les branchements en eau et en électricité. Une petite ville itinérante et autosuffisante. Frédéric, toujours en action, fait le tour des caravanes. Oups. Hi. Hello. C'est bon? Eh, hey, manger chinois aujourd'hui? Oui. Ah, oh. Ah, restaurant chinois? Chinois donc, et trapéziste.
Ça, c'est vous. Ça, c'est chat. Ça, c'est miaou. Bon, avec le métier que je fais, on voit, c'est facile. Donc, c'est les deux filles, je m'en rappelle à chaque fois, c'est chat et miaou. Après, je ne me rappelle plus tout à fait les noms de tout le monde. Bon, comment on dit là, bon appétit. Chawa. 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 Bon appétit tout le monde. Merci. À tout à l'heure. Quelques leçons de chinois plus tard, alors que l'installation de toute la troupe se termine, les chevaux rentrent gaiement dans leur écurie, les lamas sont à l'abri et les chameaux prennent leurs aises. Son travail de directeur fini, Frédéric redevient dresseur de fauves. Après le voyage, il va leur rendre une petite visite. Good boy, mon pépère. Hein. Lui, c'est Clarence, c'est un de mes préférés. Et lui, pareil, comme la tigresse, la Sandra, c'est des bêtes que j'ai vraiment eues toutes petites. La mère les avait rejetées. Hein. Je les ai élevées donc, dans la caravane, je les ai élevées au biberon et je les ai gardées tous les deux jusqu'à un an et demi. En particulier Sandra, et ça a été fantastique, c'est pour ça que je peux me permettre de l'embrasser. Oh, c'est mes fils, hein. Waouh. Good girl, Twisty. Good girl, Sandra. Brave, mes filles, hein. Good girl, ma Vitani. Brave, ma grande. Waouh. Ça, c'est Vitani. Là, c'est Kiara. Ça, c'est Sarabi. Là, c'est la grande Zira. Good girl, Zira. Ça, c'est Simba. Alors, elle, quand elle était petite, je croyais que c'était un mâle. C'est pour ça que... Oh, yes, good girl. Good girl. Les artistes et les animaux sont donc là. La vie du cirque peut commencer. Féerie, paillettes, sauts périlleux. Bienvenue dans le monde merveilleux du cirque. Dans son domaine, Pinder est le numéro 1. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tous les ans, 2 millions de places sont vendues dans 180 villes en France et 30 000 kilomètres sont parcourus. Et voilà plus de 150 ans que cela dure. L'histoire commence en 1854 en Angleterre, où deux frères, William et George Pinder, directeurs d'un théâtre ambulant, font par hasard l'acquisition d'une vieille voile de bateau. Ils la juchent sur un mât pour protéger la scène de spectacle. Le premier chapiteau du cirque Pinder est né. Pendant plus d'un siècle, l'entreprise verra passer plusieurs propriétaires avant d'être rachetée par le comédien Jean Richard en 1972, puis par la famille Edelstein en 83. Celle-ci en a fait depuis 30 ans une véritable machine à succès. Chaque année, le parcours du cirque est le même. La tournée débute à Tours en février et se termine par Paris pour les fêtes de fin d'année. Plongez dans les coulisses du spectacle, derrière le rideau rouge. On va lui rendre un peu les dents blanches. Hein, mon petit, c'est bon ? Faut qu'il soit beau, hein. Nous sommes à 3 jours du spectacle. De drôles d'animaux attendent sagement sur le bord de la route. Leur dresseur attitré, c'est Gérard, l'homme au balai, le chef de la parade. Moi, j'ai de la chance parce que mon lion en moi, il dit rien. Ceux de Frédéric, ils sont toujours en train de ronger, de crier. Et moi, ça va, il dit rien, moi. Nous, on les a bien dressés, vos decks, là. Hein, qu'il est gentil, mon petit lion, hein. C'est important que ça soit propre parce que on donne l'image du cirque quand on est en ville. C'est-à-dire que voilà, on passe dans les rues, on annonce que le cirque est là et les gens voient, la première des choses, c'est la parade. Alors il faut que ça soit propre, que ça soit attirant, que les gens voient quelque chose de bien, non? C'est bon, Vodek, allez, on y va. Allez, hop. Vodek, allumez musique, hein. Tu mets numéro 7. On va aller voir si les Parisiens sont réveillés. Mais je crois quand même, hein. C'est 11h maintenant, hein. Les bêtes féroces de la parade s'appellent le roi lion, Pif le chien, Hercule le chat. La camionnette de Gérard, c'est un peu sa piste aux étoiles à lui. Et l'accessoire indispensable pour son numéro d'artiste, c'est son micro. Eh oui, il est arrivé avec ses tigres, ses lions, ses clowns, jongleurs, trapézistes, équilibristes, acrobates. Et voilà, 7 ans qu'il parade chez Pinder. Après un petit tour par la caisse, il accède enfin à la gloire, être la voix du cirque dans toutes les villes de France. 9 janvier. Bonjour messieurs, dames, voilà une place gratuite.
Mais Gérard, c'est aussi un peu le bon samaritain, faisant sur son chemin le bonheur des petits et des grands. Quand j'étais petit, quand le cirque arrivait, je voyais ces gens-là faire ça et je voulais toujours faire ça. Et j'ai réalisé mon rêve d'enfant et ça fait que je suis là maintenant. Et je suis heureux, voilà. Heureux et à fond. Allez, on va faire les affiches là. L'autre mission de Monsieur Parade, c'est de décorer les murs de la ville, toujours son balai à la main. Alors là, c'est pas le nettoyage, hein. On frotte pas en nettoyant. Là, c'est de la colle, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Voilà, on recolle un petit peu des affiches pour faire voir aux gens que le cirque est là et on met les dates dessus et tout ça. Et en plus, c'est, voilà, ils voient que le cirque est arrivé. Hop. Alors là, on met Frédéric avec ce pauvre. Allez. Et voilà, une sur Clarence. Voilà. Je crois que c'est Clarence, celui-là, hein. N'est-ce pas, Frédéric? C'est Clarence? Voilà, elle est un petit peu pleine colle, Clarence et Frédéric, mais après, ça va sécher. Hein. Voilà, la ménagerie de Gérard a fini son numéro, c'est l'heure de rentrer au bercail. Nous voilà au lendemain de l'arrivée, les répétitions commencent. Le premier à s'y coller, c'est Frédéric. Les soigneurs montent la cage circulaire des fauves avec beaucoup de précautions. Le dompteur n'a que quelques pas à faire pour rejoindre son lieu de travail. Et tel un maître d'école, il place les tabourets de ses élèves. All right, come on, allez, hop, Simba, allez. All right, Sarah Bigouin. Allez, on y va. Je vais vous présenter toute ma petite famille à moi. Une petite famille très affectueuse, composée de 16 fauves, 3 lions, 9 lionnes et 4 tigresses. Des animaux nés en captivité, souvent élevés au biberon, mais qui n'en restent pas moins des bêtes sauvages, auxquelles il faut savoir parler. All right, bravo. Oh, bravo. Good boy, yes, good boy, Sarah, good boy. Good boy, bravo, good boy. En quelle langue vous leur parlez, là, au lion? Alors, anglais, parce que ce sont des syllabes courtes, et allemand, parce que c'est plus guttural. Quand on dit « ia », c'est mieux que « vient ». Quand on dit « sit », c'est mieux que « assis ». C'est tout simplement parce que c'est plus approprié. Après, chaque dresseur, chaque dompteur fait comme il le veut. OK, good boy. Clarence, steady. Clarence, t'as dit. Clarence, c'est là. Frédéric est né dans le cirque. Il a commencé à dresser des fauves à l'âge de 14 ans, à l'insu de ses parents, terrorisés de voir leur fils croqué par un lion. Mais il a mis au point une technique de dressage infaillible. Avec ce morceau de viande, je dirige mon animal un petit peu là où c'est que j'en ai envie. Et ensuite, comme un chef d'orchestre avec ses musiciens, à chaque interprétation de mon bambou, plus l'ordre donné, correspond à une figure que je demande à l'animal d'exécuter. Quand je fais comme ça, vous voyez, regardez, elle se prépare. Steady, steady, allez. Sit up, c'est l'ordre, c'est pour venir. Sandra, allez, steady, allez. Oh, here, sit up. Here, 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 here. Comme here, Sandra, here. Oh, oh, ça veut dire pour s'arrêter. All right, c'est l'ordre. Je baisse les bambous et elle s'arrête. Good girl. He's a good girl. Oh, yes, a good girl. Simba, dans Starsky, allez. Clarence, allez. C'est donc avec cette méthode et des années de travail que Frédéric a réussi à monter un numéro unique au monde, une pyramide de fauves dominée par le fameux Clarence. Ça rugit, ça agite les papates, ça ressemble à de gros matous, mais le danger n'est qu'à quelques moustaches de là. Le jour où ces animaux qui sont super puissants se rendent compte que je suis plus vulnérable que n'importe quel buffle et plus facile à attraper que n'importe quel buffle ou n'importe quel gnou, c'est fini la magie, hein, c'est terminé. Hein. Tout est le résultat de beaucoup de complicité. Allez hop, all right, here we go, quick. Après les papouilles, la classe de dressage est maintenant terminée. Les élèves de Frédéric rentrent à la maison. Good boy, yes. Et après l'effort, le réconfort. Miam, miam. Comme souvent, c'est Frédéric qui s'occupe du menu. 4 tonnes de viande congelée, livrées tous les 10 jours, sont stockées ici, dans le camion frigorifique. C'est pour tous mes chers et tendres tigres et lions qui, au lieu de se régaler avec moi, vont se régaler avec des bons morceaux de bœuf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette viande, en plus, on pourrait la manger, nous, parce que c'est de la viande qui est pas impropre à la consommation humaine. Et surtout, pour moi, c'est important d'avoir de la bonne viande, parce que déjà, ça vous permet d'avoir des belles bêtes. Et puis surtout, j'ai pas de bêtes qui sont malades. Évidemment, on va leur servir des congelés.
tout de même. C'est l'heure du repas pour mes gros chats dorés. Un repas, donc, c'est 8 à 10 kilos de bœuf, parfois agrémenté d'un peu de canard ou de poulet. Pour les 25 fauves résidents du cirque, cela fait donc 250 kilos de viande à servir tous les jours. Okay. Oh, ma charrette bien. Oh, c'est good girl, Akira. Oh, waouh. C'est là qu'on voit que c'est pas des gentils gros chats. Good boy, brave. Good boy, Stas. Bravo. Good boy, Scar. Quand on vit dans une caravane et qu'on ne porte pas de hauts talons, on se déchausse avant d'entrer. Ça va, chérie? Ça va. Tu tombes bien? Parce que j'ai préparé à manger, tu vois. Ah bah super. Eh bien oui, il n'y a pas que les lions qui ont faim. Au menu, pas de viande rouge, juste quelques tomates et des fraises. Frédéric et Sophie habitent la plus belle caravane du cirque, 50 mètres carrés tout équipée. Ici, c'est le coin salon où on vire. Avec le frigo, enfin il y a tout le confort, hein, le frigo américain, la cuisine, la plaque à induction, la hotte, le four. Ici c'est la salle de bain, donc il y a la douche, le lavabo, puis ici la chambre. Donc on a la télé dans la chambre aussi, et puis ma petite Sophie devant mon camion avec moi, ici, voilà. Voilà, et puis bah, voilà, ma petite Sophie elle va préparer la salade. C'est génial de vivre dans une caravane. On a tous les jours un jardin qui est différent, on côtoie des gens au quotidien qui sont différents puisque on va de partout en France. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses? Mmh. Excellent. De la chance moi aussi. Hein. Elle est jolie en plus, elle cuisine bien. Ma princesse. Cool hein. Mmh. C'est bourré de vitamines. Mmh. Alors que tout le monde a pris place et que les répétitions commencent, sous le chapiteau, le chantier se termine. Les 5000 gradins ont été posés et plus de 10 km de câbles vont être tirés sous la piste. À l'ombre de la toile, on règle les projecteurs, ceux qui feront briller les étoiles du cirque. Jean-Michel Eudelot est le responsable de la lumière. On inversera les deux multis. On inverse les deux multis, on voit ce que ça donne. Multi 1 et 2, puis on devrait retomber sur les pattes normalement. Tu prends le talki. Arnaud, tu vas avec lui. Il lui reste deux jours avant la première représentation pour vérifier avec son équipe tous les détails. Là, on est en train de voir tous nos projecteurs, un par un, pour savoir s'ils fonctionnent bien, pour savoir s'ils sont bien placés, parce que nous avons déjà une programmation dans notre console et on voudrait respecter cette programmation. La console, c'est l'ordinateur central qui gère tous les effets lumière du spectacle. Lorsqu'il s'agit de régler un projecteur, il envoie son fils Arnaud, éclairagiste, mais surtout là, alpiniste. En effet, ici, pour changer une ampoule, il vaut mieux être équipé. Hop. Alors c'est quoi cette chose là? Ça, c'est pour, en cas de chute, c'est mon ange gardien. C'est exactement ça que je vais lui donner, comme nom. Parce que je peux m'accrocher au mât avec une longe de sécurité dans le dos. Et si jamais je chute, il me sauve la vie. Allez hop, c'est parti, je m'en vais là-haut. On se retrouve tout à l'heure. Oui, parce que là-haut, c'est à 12 mètres d'altitude, là où culminent les 230 projecteurs. Arnaud, l'équilibriste, va devoir les ajuster soigneusement, un par un. Éclairer une piste circulaire se révèle être tout un art. On a une particularité par rapport à une scène, disons traditionnelle, concert, rock ou variété ou choses comme ça, c'est que nous avons un public tout autour de la piste. C'est comme pour les numéros, c'est très difficile, parce que là, il faut que les gens aient une vision du spectacle presque à 360 degrés. Et pour que cette vision à 360 degrés soit parfaite, Arnaud travaille sans relâche. À peine descendu de ses étoiles, le voilà reparti vers d'autres sommets. Bon bah là je vous laisse parce que j'ai plus que quelques jours pour faire tous les réglages. Je m'en vais en haut. Au revoir.
Nous sommes toujours à deux jours du spectacle et sous le chapiteau, les répétitions vont bon train. Monsieur Loyal, le maître de cérémonie, fait des essais de voix dans les gradins. Bienvenue au Cirque Malherbe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voilà les Cosaques qui s'échauffent avec quelques tours de piste. En coulisses, ce sont les gymnastes cubaines qui se préparent pour leur numéro de machinois. Vous suivez ? La pression est forte car leur performance n'a été vue que sur DVD. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'audition finale. Dans le jury, la directrice artistique du cirque, Sophie Edelstein. Les Cosaques, ils ont répété ce matin ou pas ? Ça y est, tout à l'heure. Et ça a été, avec la piste, avec les bordures qui sont fermées ? Non, non, ça y est. Sophie est la fille du propriétaire et la sœur du dresseur de fauves. Pour Pinder, elle parcourt le monde entier afin de sélectionner les numéros du spectacle. J'ai été voir un dresseur d'éléphants en Allemagne. J'ai vu des Shaolin sur un spectacle sur Blackpool qui doivent arriver. J'espère qu'ils seront là vendredi pour être présents samedi, pour travailler samedi. J'ai aussi partout, je veux dire que ce soit en Hollande, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi en France, hein, et même dans la rue. Et c'est maintenant au tour des Cubaines de faire leur preuve dans cet exercice très physique, habituellement réalisé par des hommes. Mais Sophie, accompagnée de la chorégraphe et des managers du groupe, ne semble pas convaincue. C'est long et c'est pas fini, c'est pas... on voit qu'ils cherchent, qu'ils... Le verdict tombe. Là, c'est pas prêt pour samedi, ça c'est sûr. Non, ça travaille pas samedi. Bien, le numéro de machinois ne sera donc pas au programme des représentations parisiennes. Qu'à cela ne tienne, au cirque, la polyvalence est de mise. Les Cubaines ne seront plus gymnases, mais danseuses orientales pour accompagner l'exhibition des chameaux, baptisée le numéro des exotiques. Les jeunes filles essayent donc leur nouvelle tenue. Et c'est parti pour un cours de danse express avec la chorégraphe. Allez, on y va. Les petites gymnastes fraîchement reconverties en danseuses n'ont que deux jours pour apprendre leur nouveau métier. Ah, français ? Notre ami chinois. Danse. Hello. Et pendant que ça se déhanche sur la piste, dans les gradins, on retrouve Sophie et Monsieur Loyal en plein travail. On a les exos, on a les éléphants. On a les Cosaques, et ça, on finira avec les Cosaques, ça c'est une évidence. On a nos volants, les Chinois, on a les fauves, on a les Shaolin. C'est la liste des courses ? C'est ouais. La liste des courses. C'est ce que madame a acheté. C'est ce que j'ai acheté dans l'année. Le problème, c'est qu'on a une petite maison, on ne sait pas où le mettre. Voilà, exactement. Il y a un petit frigidaire. Il va falloir caser tout ça. Ça va bien se passer. On a encore deux jours de répétition, tout va bien. Autrement dit, 48 heures pour coordonner 16 numéros, une cinquantaine d'artistes et une centaine d'animaux, le tout saupoudré d'un ingrédient essentiel. Il faut qu'il y ait un rythme, il ne faut pas de temps mort du tout. Il faut que cette petite ruche où toutes les petites abeilles s'activent, tout le monde ait vraiment trouvé son timing et qu'on ne perde pas de temps et que pour les gens, il n'y ait surtout pas de temps mort et que tout soit très fluide. Un rythme qu'ont déjà pris les jeunes filles cubaines. Dernier jour avant le spectacle, c'est au tour de Nicole Nichols, le jeune funambule espagnol, d'aller répéter. Le seul accessoire qu'il emporte avec lui, c'est son niveau, indispensable pour l'acrobate. Pour sa dernière répétition, Nicole doit aujourd'hui régler les lumières de son numéro avec l'indispensable Sophie. Ceux qui sont au milieu des ACL, en bleu ouais. Et on essaye, okay. Ça va. Et surtout sur la toile, tu lui mets ce que tu veux, mais il ne faut pas que ça bouge. Okay. Tu vois, tu peux, voilà, aucun mouvement. Si, el del medio, porque aquí creo que me va a escandilar, que no esté muy fuerte. Ok, tu le mets plus moins fort au point de vue intensité. Dans ce genre d'exercice périlleux, la précision est essentielle et l'éclairage n'est pas qu'une question d'esthétique. Pour chaque artiste, c'est différent. Surtout quand il y a des numéros, par exemple, de jonglage, il est obligé des fois de fixer quelque chose, de lever la tête en l'air. Donc tout ce qui est à la coupole du chapiteau, ça le gêne. Pour lui aussi, qui a un numéro quand même périlleux, puisqu'il fait des acrobaties sur un fil de fer, quand il fait ses sauts périlleux, s'il a une lumière qui vient l'aveugler, bien entendu, il peut se casser la figure. Donc. Los dos de arriba, no te molesta? Vale. Ça vient? El azul. Del medio un poquito menos fuerte.
Encore quelques pas sur le fil, et le jeune homme cède la place à son frère Michael, jongleur, car chez les Nichols, le cirque c'est aussi une affaire de famille. Après le travail, on se retrouve dans la caravane de Nicole. Quel est papa? Quel est le café? Tout marron? Le café con leche. Selon la tradition circassienne, chez les Nichols, on est artiste de père en fils depuis 4 générations. Angel, le père, est clown, et pour lui, cette vie n'offre que des avantages. Nous, on peut dire qu'on a de la chance d'être tous réunis. Ma caravane est juste à côté d'eux. Celle de mon autre fils est un peu plus loin. Quand c'est l'heure des répétitions, on y va tous ensemble. Hannah est la partenaire de Nicole dans son numéro et c'est aussi sa fiancée, rencontrée de Vinéo. Ici, au cirque, ici sur la pelouse d'Aurilly. Mes parents connaissaient ses parents depuis longtemps. À l'époque, sa famille travaillait dans un autre cirque. Les miens étaient chez Pinder. Et régulièrement, selon les spectacles, on se retrouvait ici à Paris. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le hasard. Dans la caravane du couple, on regarde bien sûr la TBE, la télévision espagnole, mais on collectionne aussi les photos souvenirs. Esta photo. Et cette photo, c'était quand je faisais une tournée en Angleterre. Nicole a toujours vécu dans un cirque. Comme son père, c'est un mode de vie qu'il adore. Et c'est super parce qu'on voyage tout le temps. On connaît des choses que beaucoup de gens aimeraient voir. Par exemple, être ici à Paris et pouvoir visiter la Tour Eiffel. Le mauvais côté, c'est qu'après avoir travaillé pendant une année entière avec des gens, on se fait des amis et parfois en fin de saison, si tu dois changer de cirque, il faut se séparer. Pour l'instant, les Nichols restent au cirque Pinder. S'ils repartent un jour sur la route, une chose est sûre, ce sera ensemble. Lorsqu'elle sort de chez elle, Violetta n'a que quelques pas à faire pour rejoindre son lieu de travail, la petite caravane jaune. Bienvenue dans l'antre de la costumière du cirque Pinder. Voilà. Alors ici, c'est quoi? Ici, c'est pour laver, machine doux, machine laver, à machine séchage. Ici, c'est juste pour laver et pour séchage. Une petite roulotte qui lui sert de buanderie et d'atelier de retouche. Violetta est bulgare. Depuis 10 ans, elle lave, repasse et raccommode les costumes des artistes et des employés du cirque. C'est beaucoup de personnes, c'est 120 personnes. C'est travailler au cirque. C'est aussi beaucoup d'artistes. Et c'est comme artiste casser quelque chose, pantalon. Costume pour artiste, c'est toujours arrivé à costumer. Si possible, Violetta à préparation, moi à préparation. Ce matin, la caravane est envahie par tous les costumes des placeurs et des vendeurs. Violetta vient de les sortir pour la première représentation parisienne. Ça, c'est pour vendeur, barbe à papa, au bar, panier. Ça, c'est vendeur, pour vendeur. Ça, c'est pour plaçage, pour madame. Et ça, c'est costume. Et ce pantalon, c'est pour monsieur, pour plaçage. Voilà, il faut maintenant que chacun essaye son uniforme et toute une petite troupe va défiler dans la caravane. C'est parti pour une séance express et internationale. Bon, ça c'est petit numéro. Les Chinois, c'est trop petit. Ça c'est problème. Parce que Chinois, c'est petit. Costume, c'est ça va. Et les Chinois, c'est petit. Voilà. Allez, vas-y. Alors, ça c'est grand Chinois. Voilà, ça va? C'est bon? Ok, allez, vas-y, viens. Et ça, c'est grand moldave, grand. Diète. On va se parler un petit peu de diète parce que le costume, c'est petit et lui, c'est grand. Attends, moi, lui, c'est vendeur popcorn. Alors, nous cherchons encore. Le temps passe, nous voilà à quelques heures avant le premier lever de rideau. À l'extérieur, on peaufine la décoration. Sous le chapiteau, c'est la course contre la montre maintenant. Les loges du premier rang sont encore en construction, sous l'œil impassible de Jean-Michel l'éclairagiste. Les éléphants font 3 petits tours et puis s'en vont. Ils laissent la place aux Shaolin qui viennent juste d'arriver d'Angleterre. Ces virtuoses du Kung-Fu n'ont qu'une heure pour marquer leur numéro avec Monsieur Loyal. Les mains fermées, il est sur les pics.
quand il ouvre les mains, vous... Non, non, vous revenez le prendre. Monsieur Loyal, c'est aussi l'homme de la piste. Pour l'heure, il donne des ordres à ses quatre assistants, qu'on appelle les pistards. Pendant le spectacle, ils aideront les artistes à un certain moment de leur numéro, comme pour cette figure où ils devront soulever l'un des Shaolin. Ok. Quand vous l'avez posé, vous faites ça, et vous attendez, vous relevez, vous le prenez. Comme ça, le public peut regarder. Allez-y. À l'entrée du chapiteau, on retrouve les deux frères Nichols. Estoy sacándole un poquito de brillo al cable para mirar mejor, ¿sabes? Tu l'enlèves, Julio, et tu le mets de l'autre côté là-bas, ok? Et sous cette barbe blanche, voici Julio, le très bel acrobate cubain. Avec des tablettes de chocolat. Sophie aimerait bien le transformer en Père Noël bedonnant. Pas trop déçu, Julio? Je ne suis pas déçu. Je pense qu'on va peut-être le laisser un peu plus maigre. Parce que là, ça va lui faire une poitrine. On va avoir une Mère Noël trop enveloppée. On va le laisser plus mince, ça se verra pas. De toute façon, il est dans son beau traîneau. Sauvé, Julio. Cette année, le cirque aura un Père Noël sexy. Les derniers à répéter, mais non des moindres, ce sont les trapézistes chinois, la troupe Chichi E, le numéro phare du spectacle. Avant toute chose, il faut suspendre le filet de sécurité. Chaque artiste est responsable de son matériel, car comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Monsieur Loyal et ses pistards sont tout de même de la partie. You tell me how much boys you need. No, no, after. Okay. Because you know, I think it more minimum 4. Puis moi, j'ai besoin de voir un petit peu où ça risque de coincer au moment du spectacle et que tout soit coordonné entre la régie, c'est-à-dire son et lumière, les deux poursuites, les personnes de piste et derrière les artistes. Et avec ça. Eh bien, toujours pareil, on gagne du temps, et on enchaîne les numéros et du coup les gens sont contents parce que ça va vite. Et pendant ce temps d'installation technique de 2 minutes, Monsieur Loyal devra distraire le public avec des annonces. Ce nouveau chapiteau a un inconvénient majeur pour les trapézistes. Il est 2 fois plus grand que celui de la tournée. Il y a donc 2 fois plus de distance à parcourir du haut de leur trapèze. Et apparemment c'est compliqué. Bouge. Leur chef leur donne pourtant des instructions très claires. Je vois pas comment ils pourraient faire plus clair. So this year, oh, and the pin the six pin is 78 tons, 620 shows, too much shows. For digital piece, very, very hard. C'est Wu qui va exécuter le point fort du numéro, le très fameux triple saut périlleux. Aïe, ha. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il lui reste 2 heures. Les pieds devant les oreilles, les genoux au-dessus des épaules, je vous présente Lu Qin, la jeune contorsionniste. Elle est chinoise et pratique la contorsion depuis l'âge de 10 ans. Lorsqu'elle se déplie normalement, Lu Qin ressemble à une jeune fille ordinaire, enfin presque. Parce que pianoter sur son téléphone portable tout en faisant le grand écart, ça n'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas? C'est confortable comme position pour lire son téléphone? Ça va. Ouais. Pour moi, ça va. J'habitue. Parce que je travaille tous les jours. Je fais tous les jours des exercices, donc maintenant, ça va. C'est facile pour moi. Elle fait ça comme qui rigole aujourd'hui, mais il aura fallu 12 ans de pratique pour en arriver là. Même pour cette surdouée de la souplesse, se plier à l'envers les pieds derrière les oreilles, ça peut aussi avoir quelques inconvénients. C'est...
Ça va être difficile pour respirer. Voilà, je comprends. Les figures de contorsion, ça compresse les poumons et parfois ça fait craquer les vertèbres. Pour les jambes, ça va pas pour le... j'ai pas mal. Mais pour le dos, parfois j'ai mal. Parfois. Lu Qin a 22 ans. Elle pourra pratiquer la contorsion jusqu'à l'âge de 30 ans, pas au-delà. Son entraînement quotidien d'une demi-heure terminé, il est temps pour elle d'aller se préparer avant la représentation. Comme tous les employés du cirque, Lu Qin habite dans une caravane. C'est ici, ma caravane. C'est petit, il n'y a pas beaucoup de place. Petit peut-être, mais contrairement à ses amis trapézistes chinois, elle en a une pour elle toute seule. Pour la jeune fille arrivée de Chine il y a à peine 3 ans, la vie circassienne, c'est une découverte. C'est la première fois que je travaille dans le cirque et c'est la première fois que j'habite dans la caravane aussi. Et j'aime bien la vie dans le cirque. Ça change. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Pourquoi t'aimes bien? Les gens sont sympas. En plus, il y a les Chinois, je parle toujours les Chinois avec. Donc, c'est comme la famille, quoi. C'est comme la famille et c'est bien. J'aime vraiment ici dans le cirque. L'année dernière, Lu Qin s'est fait repérer lors d'un concours télévisé par Sophie Edelstein, qui l'engage immédiatement pour la saison entière. Petite, elle voulait être gymnaste dans son pays. Elle est aujourd'hui contorsionniste. Les voies qui mènent au cirque sont parfois mystérieuses. Maquillage sombre, fossile, la jeune fille se transforme en étoile de scène. Pourtant, en sortant de chez elle, pas de juste au corps à paillettes, mais un costume de placeur. Lu Qin a rendez-vous sous le chapiteau avec tous les autres artistes. Et parmi eux... C'est lui, le Papa Noël. Ah, c'est le beau Julio. Le chef des placeurs, appelé chef de salle, c'est Jean-Paul, 27 ans de maison. Bon, je vais vous expliquer, s'il vous plaît, vous venez. Venez par ici. Devant loge, vous m'apportez les billets de loge. Et je vous donne le numéro correspondant. Ok ? Expliquez-leur, hein, déjà. Allez-y. À l'époque des frères Pinder, bon, c'était un cirque de famille, donc c'était les artistes qui plaçaient et ça s'est maintenu par la suite. Les films, les téléphones, les chaussures, il y en a certains, ils n'ont pas les chaussures, comme Rani et tout ça. On va faire ça pour marquer l'heure, que j'oublie pas moi non plus. Le plaçage, c'est un travail aussi. C'est la première approche avec le public, donc c'est le reflet aussi du cirque Pinder. Donc je veux que tout le monde soit poli, soit souriant, pas de chewing-gum, respectueux. Donc voilà, donc il faut toujours checker. Mais ils savent qu'à tous les spectacles, je suis là pour regarder si tout va bien. Plus que quelques minutes avant l'arrivée du public, Jean-Paul répartit ses troupes, un peu capricieuses, dans les gradins. Vous allez avec les Shaolin. Pour l'instant, après on verra. Mais c'est vous qui connaissez le mieux pour leur expliquer. Vous, là-bas. Oui. Mais ça change tous les jours. Le premier Monsieur Loyal. Monsieur Loyal était un écuyer, donc Monsieur Loyal, en 1850, travaillait devant le public en redingote rouge, en culotte de cheval et bottes de cheval. Le spectacle va bientôt commencer, le public nombreux est impatient. En coulisses, la pression monte, c'est l'heure des derniers échauffements. Con l'adrénaline à tope. Eh bien, on va y aller. Place au cirque. Les premiers à s'élancer sont les jongleurs. Après eux, tout s'enchaîne. En régie, Sophie surveille. Chez les Cubaines, c'est la pagaille. Ah, c'est la pagaille.
abrir así, eso es lo que va a dar. À quelques mètres de là, dans la petite caravane qui lui sert de loge, Frédéric Edelstein se prépare lui aussi, dans le calme. Après 25 ans de spectacle, il y a des traditions immuables. Le bandeau, bah, c'est, ça veut dire c'est fétiche. Je l'ai depuis le début. Il est tout escardé de partout, il est tout déchiré. À vrai dire, c'est... j'ai même du mal parfois à arriver à en faire encore quelque chose. Mais c'est celui-là que je veux garder, c'est celui-là que j'ai toujours eu et j'ai pas envie d'en changer. Pour l'instant, ça m'a toujours porté... ça m'a toujours plutôt porté chance, donc... On va bien voir, parce qu'elle m'a fait comme ça, quoi. Avant de partir, je touche du bois ici. Ça, c'est un rituel que j'ai l'habitude de faire. Hop. On va bien voir. C'est bon. C'est dur. Allez, vas-y. Autre rituel, la très fidèle Sophie l'accompagne à chaque numéro. Allez. La veste. On va dire la princesse. Voilà. Voilà, cette fois, la magie normalement devrait avoir lieu, enfin du moins je l'espère. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Je prie à chaque spectacle que Frédéric ressorte de la cage en entier, en bonne santé, comme il est rentré dans la cage. C'est maintenant au tour des trapézistes chinois de s'élancer. Suspense. Mesdames, Messieurs, sous encouragement. Bisous! Oh, pas de triple saut périlleux pour le petit monsieur Wu. Quel dommage. En coulisses, le Père Noël le plus sexy de l'année va entrer en piste entouré de ses mères Noël, vous savez, les danseuses orientales, les gymnastes cubaines. La fête se termine par la parade finale. Allez, c'est l'heure de faire le bilan pour Sophie. On a des petites choses, ça va à peu près, mais bon, il y a quand même des petites choses à modifier. Comme par rapport à mon petit tableau oriental avec les filles. Il y a eu mon petit trapéziste qui n'a pas eu son trip, mais bon, ça c'est normal avec les distances, ça c'était même... je pensais qu'il allait avoir même plus de tombées. Mais dans l'ensemble, ça va à peu près. Les artistes vont enchaîner deux représentations aujourd'hui. Entre art et tradition populaire, la machine à rêve Pinder a parfaitement fonctionné. Comme toujours. We'll be right back.